Bonjour à tous, c'est Anne de Défi Lecture Ado. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un classique de la bande dessinée que je vais vous proposer. Il s'agit de Astérix et le Griffon de Jean-Yves Ferry et Didier Conrad aux éditions Albert René. Oui. Donc, on va retrouver nos héros préférés, Astérix, Obélix, Idéfix, Panoramix et les Romains, dans une 39e aventure. Cette aventure va être un long voyage pour nos héros parce qu'ils partent à la quête d'une étrange créature un peu mystérieuse qui est mi-aigle, mi-lion. Et c'est sûr que cette aventure va les amener dans une quête épique et semée d'embûches. Voilà, donc pour notre plus grand plaisir. Pour ma part, je trouve que les auteurs ont réussi un beau pari de prendre la suite des auteurs de Goscinny. Ils arrivent à faire un album qui est plein d'humour, plein de jeux de mots. On retrouve aussi des allusions à l'actualité. Moi, je me suis régalée, j'ai beaucoup ri. Je trouve qu'on retrouve vraiment l'état d'esprit qu'il y avait à la base. Astérix n'a pas changé. Voilà, donc on passe un très bon moment. Le seul défaut, c'est que cet album est toujours trop court. On en redemande. Voilà, puis pour l'âge, ça s'adresse vraiment à toute la famille. Je trouve que c'est une bonne lecture pour le temps des fêtes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez liker et partager cette vidéo. Puis je vous dis à demain.